Allez, alors, on déroule tout, Ouais, on hein? déroule tout. Smartphone, tablette, objet connecté, drone, téléviseur, casque et enceinte sans fil, action cam, jeux vidéo, Blu-ray également, ça ce sera pépé tout à l'heure. Il y aura une partie surgelée tout à l'heure, mais on la fera en fin d'émission. Hein, Et voilà. des jouets connectés pour les enfants. Voilà, et puis on fera aussi un point sur notre 01net TV Idol, vous le savez, hein, si vous êtes un fidèle de 01net TV. Alors vous connaissez Romain qui interviendra d'ailleurs tout à l'heure hein, dans cette sélection de cadeaux high-tech, puisqu'il nous a fait une petite vidéo qu'il nous a envoyée depuis le sud-ouest avec ses petits coups de cœur. Et puis nous recevrons Alice qui est l'une des trois gagnants de Elle est ce là. 01net Idol. Elle sera là avec nous tout à l'heure en studio. Voilà. Voilà, c'est un 01 Live Hebdo donc très spécial Oui. qui démarre. Vous nous suivez sur 01nettv.com, sur YouTube, sur Dailymotion et sur la Live TV d'Orange. Avec notre question 01net Orange de ce jeudi soir, eh bien oui, une question de circonstance quand même. Alors, quel genre de cadeau voulez-vous pour Noël? Qu'est-ce qui vous fait rêver pour Noël? Votre cadeau de Noël high-tech de rêve. Et voilà, Et vous vous avez le votez. choix là, hein? Vous pouvez y aller, hein? Alors votez sur 01nettv.com, un smartphone, une tablette, un ordinateur, une montre connectée, etc. Eh bien, on a déjà une première tendance. Regardez ce que ça donne. Ouais. C'est le smartphone qui arrive en tête. Le smartphone qui est en tête, bien évidemment, on pouvait s'y attendre. Après la tablette, alors c'est autre en troisième position. Ça, c'est dommage parce que autre, c'est quand même très mystérieux. Oui, il y Hein. a plein de choses. Ça Oui, je peut veux un être autre cadeau high-tech, je ne sais pas quoi, une mais bon. cocotte Bah, minute dites-le-nous. connectée. Dites-le-nous sur Twitter, puisque comme nous sommes en direct, vous pouvez réagir sur le hashtag 01live via Twitter. Hashtag 01live pour interroger Christopher, Bruno Cormier, Stéphanie Molinier, qui vont nous présenter leur coup de cœur et leurs produits de Noël. Tout de suite, d'ailleurs. On Ben oui, commence. on va commencer, puisqu'ils sont là, effectivement. Bonsoir, Christopher. Bonsoir Jérôme, bonsoir François. Christopher Siminelli, donc directeur, rédacteur en chef du labo, directeur aussi un peu Directeur quand en même. chef. Monsieur le directeur, merci d'être venu. du labo 01net. Et puis Stéphanie Molinier et Bruno Cormier. Bonsoir. Bonsoir. Ce sont ça les deux gros cerveaux spécialistes des smartphones et des tablettes. C'est beau ça, gros cerveau, hein. Tout de Et suite, puis ça ensuite. Président, président pour moi. Président également. président, non. Directeur, président, qu'est-ce qu'on a là? Présidente, bah, Présidente, présidente. On n'a voilà, que les on y est. présidents ce Tout soir. simplement. Exactement. Parfait. Je propose qu'on commence peut-être, Christopher, avec encore un concours sur 01net.com. Ouais, encore un concours. 01net se transforme en Père Noël, encore une fois. Mais là, on fait vraiment du très lourd. On fait gagner une grosse télé 4K de 49 pouces Sony. Voilà, qui coûte quand même 1400 euros. Hein. On n'est pas, voilà, on ne fait pas les choses à moitié. Et on fait aussi gagner avec Nvidia deux superbes tablettes Shield, ces tablettes que vous connaissez, qui sont vraiment dédiées pour les gamers, hyper puissantes. D'ailleurs, on va On en l'a vu, reparler hein, voilà, tout à l'heure. on peut faire Ouais. tourner Half-Life, on peut jouer avec une manette. Hop. Donc Regarde là, deux tablettes Shield c'est à Alpha gagner. d'ailleurs là sur le coup. Hop. Bon, mais alors qu'est-ce Voilà, qu'il faut faire reflet. pour gagner ces lots Et juste aussi une Ouais. GTX C'est quoi une 970. voiture? Oui, c'est une 205 GTX. Alors, C'était ma les première gamers voiture. qui nous regardent, ça leur parle direct. C'est une grosse carte graphique. Je pense que il n'y a aucun jeu qui vous échappe avec ça. C'est hyper simple. Pour participer, il suffit d'aller sur 01net.com, dans l'espace guide de Noël 01net, et vous remplissez un formulaire, tout simplement. Il y C'est aura un tout? tirage au sort. Tirage au Mais sort. ouais, c'est tout. Bon, C'est c'est cool ça, génial. Alors attends, là, télé c'est vraiment 4K, Noël. Hein. Si C'est vous avez vraiment été cool, sage, hein. hein, si vous avez été sage cette Ouais. année. Et puis Ouais. si vous avez été C'est le principe du Père Noël. si vous restez sage, vous verrez tout à l'heure Christopher Séminilly en bonnet, puisque c'est vrai quand même, ça a été l'un des best-of de C'est cette mes année limites. Ouais, 2014 quand ok. même. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, le bonnet Mais tu Arcos. le mettras aussi. Hein. Il est là. Je n'ai pas le mien, je suis désolé, j'ai On va t'en oublié. trouver. Trouvez un bonnet connecté pour François, s'il vous plaît. Zut. Bon, Tiens, alors, on a déjà sur Twitter, on a Bashdu38 qui propose de t'offrir une Rolex connectée. Ah oui, ça me va. La Ça Rolex t'irait? connectée, ça, oui, Ouais. ça m'irait bien, mais cela dit, tu as une Ouais. très jolie montre aussi, on en parlera Ouais. peut-être tout à l'heure. Tiens, quels sont vos cadeaux de Noël de rêve? Alors, vous pouvez bien sûr voter sur 01net.com, mais dites-le nous aussi. Tiens, tu as un appel sur ton iPad. Ça sonne de C'est bien, partout. continuité, j'aime beaucoup. Oui, c'est top. C'est très C'est top. sympa. Ça vibre dans ma poche. Ça Voilà. sonne ici. C'est parfait. Ça va sonner par là-bas. Donc, qu'est-ce que voilà, vous attendez quoi pour Noël? Dites-le nous sur le hashtag 01live. On est connecté sur Twitter. On se fera un plaisir de lire tous vos messages. Alors, on Bon. va commencer par un gros morceau Bah quand ouais. même, En fait, bien sûr. on va découper ce 01Live en trois parties. Oui. D'accord? Hein? Donc, première partie avec les intervenants qui sont ici. On va parler de smartphones, de tablettes, d'objets connectés et de drones. Et on commence par les smartphones, tout naturellement.
par exemple. Donc, on se tourne vers Stéphanie Miss et Bruno. Smartphone. Miss Smartphone. Alors, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de sorties, là. Ces derniers temps. Alors, ouais. Vraiment, c'était assez pauvre. Ouais, c'est ça. quand tu dis... On teste environ 18 téléphones par jour. Voilà, c'est ça. Et puis, quand tu dis que c'est assez pauvre, ça tombe très bien, en fait, avec le BlackBerry qui coûte un bras et que tu as reçu aujourd'hui. Ben oui, dommage, je ne l'ai pas sur moi. Ah, zut. Mais en effet, BlackBerry... Qui peut aller chercher le BlackBerry de Stéphanie régulièrement. Il est sur son si bureau. Si quelqu'un peut se dévouer pour aller chercher le BlackBerry qui est sur mon bureau, le BlackBerry à clavier. Voilà. En fait, alors là, comme cadeau de Noël, c'est plutôt du beau cadeau, hein, puisque c'est un smartphone qui coûte... on va dire, à partir de 1650 euros. Il peut coûter beaucoup plus cher. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi ce prix-là? C'est la série Porsche Design, en fait. Ah oui. Il y a déjà eu des précédents. Il y a déjà eu un Bold qui était sorti dans cette version. Je crois également un BlackBerry Z10. Je crois qu'on ne le verra pas, parce que personne n'est allé le chercher. Non, personne. Ils sont tous très occupés, là, aujourd'hui. Très occupés. Ah, Pépé, merci. Super boursier. Il est au parking, je crois, non? En fait, voilà, il est complètement redesigné façon Porsche Design. On ne trouve que dans les enseignes qui vendent des objets high-tech Porsche Design. D'accord. Voilà, bon... C'est sur la base d'un Q10. Il va arriver dans un instant, on va en parler. Qui est un des smartphones phares de BlackBerry. C'est un smartphone à clavier avec un clavier physique. Et donc, voilà, la version luxe sort. Et naturellement, les heureux propriétaires de cet appareil sont tout de suite repérés par BlackBerry. Voilà, c'est service spécial. Ah oui, c'est un service VIP premium. On va le voir. Super. Magnifique, regardez-le. Ne fais pas tomber. Je vais le prendre. Oui, voilà. On évite de le faire tomber. La sympathique Léa va faire un petit... François qui est spécialiste. Oui, c'est vrai, moi je suis un spécialiste. Crash test de smartphone. Tu fais pas ce que tu avais fait avec le... avec le 4. Non, mais alors là, je vais pas oser quand même. Je vais pas le jeter par terre. Donc on a une petite plaque devant Porsche Design pour être sûr vraiment d'afficher la marque. Ouais. On a à l'arrière le capteur photo qui est protégé par du saphir. Enfin, bon. Voilà, alors, je ne veux pas vous brusquer et ni vous interrompre, mais on a, je ne sais pas combien de produits évoqués aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour BlackBerry. Ça, c'est pour BlackBerry. Si vous avez un petit budget. Maintenant, si on a un budget plus modeste. Si on a un budget plus modeste, mon petit coup de cœur de l'année, c'est le Sony... Z3 compact. Alors Stéphanie, il faut le montrer à cette caméra là, voilà, parce que soir il y a plein de caméras, donc c'est un peu compliqué. Ce serait dommage de se passer de l'écran. Donc voilà, c'est un smartphone qui m'a un petit peu tapé dans l'œil parce que en fait, il a un écran qui est quand même relativement grand et on s'en rend pas compte parce que Sony a su véritablement limiter les contours autour de l'écran. Donc finalement, on a un smartphone ultra compact. Pas faire d'autres constructeurs. Et à côté de ça, il est hyper puissant, il est équipé comme le Z3. C'est-à-dire qu'on retrouve le capteur 20 mégapixels. C'est du 8,9 pouces. Et elle a un son de folie. Donc vraiment, je dirais, pour la famille, c'est le bon achat. Alors ça ne fonctionne pas sous Android, mais c'est une base d'Android. C'est l'OS d'Amazon qui s'appelle FireOS. Mais dessus, on accède quand même à un magasin d'applications dans lequel on va trouver à peu près 200 000 applications Android, dont beaucoup de jeux. Donc finalement, je trouve que c'est pas un mauvais achat. Et si vraiment on ne dispose pas d'un budget aussi important, eh bien, il y a la tablette Fire HD 6, qui coûte à partir de 100 euros. D'accord. Donc cette petite tablette, beaucoup plus abordable. Cette petite tablette, son avantage, c'est qu'elle a également un très bel écran. Et on sait que quand on va en supermarché, le problème des tablettes à 100 euros, c'est que souvent l'écran est à peine visible. Le processeur n'est pas terrible, etc. Le processeur n'est pas terrible et surtout, on a un niveau de fluidité qui est absolument effroyable. Là, on a quelque chose de très fonctionnel qui plaira aux enfants. Voilà. Et rappelons que pour celle qui est à 379 euros, on a des spécifications techniques haut de gamme. Très haut de gamme. Voilà, on a le dernier processeur de Qualcomm, le 805. Voilà. Et pour acheter, je sais que toi, tu as la fièvre acheteuse Amazon. Là, en deux temps pour trois mouvements, tu achètes tout le magasin, là, tout l'entrepôt, tu le vides. Surtout pas que ça rentre chez moi, ça.
Ouais, ça c'est pas bon. Non, mais c'est vrai que pour acheter tous les contenus Amazon, c'est vraiment voilà, fait pour ça. Pour les gens qui veulent vraiment, qui ont un petit budget, la petite tablette 6 pouces à 100 euros, ça le fait. Très bien. Très bien. Voilà. Merci Bonne Stéphanie. Sélection. Merci Stéphanie. Stéphanie Molinier, donc du Labo 01net. Bon, vous avez vu, ça bouge beaucoup. Il y avait Bruno il y a un instant. Il va revenir tout à l'heure, mais en fait, c'est un balai David de journalistes qui nous a rejoint. David Noguera, salut David. Bonsoir. Salut David. Parce qu'avec David, on parle de montres et d'objets connectés. Alors évidemment, c'est quand même ça aussi l'un des cadeaux qu'on risque de trouver vraiment sous le sapin cette année. J'en ai trois. Montres connectées. On se croirait à Barbès là. Oh non. Et celle-ci vue de loin, on dirait la Watch ça, un peu. C'est pas possible. Alors c'est quoi ces trois montres? Alors là effectivement, alors j'ai l'Asus ZenWatch qu'on a reçu. Oui, c'est quoi, on va les mettre tout, toutes les trois là, comme tout ça, récemment on au labo. Zoomer dessus. La Gear Live, qui est un modèle qui date un peu maintenant, Samsung Gear Live, et la Gear S. Cool. Alors ça, oui, c'est... Il vend bien. Hein, ouais, bien sûr. Ça, c'était c'est... trois coups de cœur. Non, non, moi, mon coup de cœur, en fait, malheureusement, il n'est pas là. C'est LG G-Watch R. Oui. Non, elle est retournée. C'était la montre qui a été présentée à l'IFA. C'est voilà, la montre ronde qui va très, en très vidéo, bien. Sur Zeronet TV, bien sûr. Hein, on a fait exactement, un écran sublime, une belle montre, vraiment. C'est bon, après, du côté de l'autonomie, c'est toujours moins de deux jours d'utilisation. Mais a priori, la future version d'Android Wear, Lollipop, va grandement améliorer les choses. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc mon coup de cœur, en tout cas, côté montre connectée, c'est la G-Watch R. Je vois que Christopher est en train de sortir la PP l'autre. Watch. Ouais. PP Watch. Ah oui. Alors viens, tu la mets ça, là. Ça, c'est la moto, donc la moto 360 qui a l'air de bien marcher. J'ai l'impression qu'enfin, je vois qu'il y a beaucoup, il y a une communauté qui s'est créée autour de cette montre. Alors, ce qu'on remarque, on avait une catégorie, vous vous rappelez, des Zeronet Awards, on avait une catégorie des objets connectés. Les deux premiers qui ont été élus, les deux objets connectés de l'année, on va dire, ce sont les deux montres rondes sous Android Wear. Donc on peut dire que les montres rondes sont vraiment plébiscitées par les lecteurs, les acheteurs. On a vu Motorola il n'y a pas longtemps qui nous disait qu'ils étaient carrément en rupture de stock sur leur montre. En fait, c'est un bracelet tracker d'activité caché dans une montre, quoi, dans une vraie montre. Donc, c'est très en fait, différent de tout ça. Malgré tout, elle est Bluetooth, donc tu télécharges elle une appli se synchronise, sur ton smartphone, voilà. Et tu vas connaître à la fin de la journée via ton appli le nombre de pas que tu as effectué dans la Alors, journée. Alors tu peux même le voir sur la troisième aiguille qui est là. Voilà. Ouais. Alors, on n'en dit pas trop parce qu'on vous prépare un petit test. Ouais. Donc vidéo la semaine prochaine sur 01net TV, le test de la WeSings Activité. Parfait. Bon, voilà les montres. Si on disait quand même les prix des montres, parce que alors, est-ce que c'est ça tombe presque bien parce qu'elles sont quasi calées dans l'ordre. Est-ce qu'il faut acheter une montre connectée cette année à Noël ou il vaut mieux attendre? Moi, je suis plutôt fan. Je trouve ça vraiment super pratique parce que y a ces notifications. Bon, c'est pratique, mais moi, j'utilise beaucoup pour le guidage GPS. C'est bête, mais que si on est piéton, en voiture, ou, moi, je suis carrément en scooter. Et en fait, une fois qu'on a dicté son itinéraire sur Google Maps, on a ce petit renvoi d'indication juste par un mot de flèche. Ça suffit. On n'a pas besoin de sortir le smartphone. Tu n'as pas la map qui se dessine. Tu n'as pas la map qui se dessine. C'est simplement des exactement. Flèches. Et ça fait bien. Le boulot, ça suffit. Il y a une petite fonction qui est amusante pour ceux qui veulent aller courir avec la montre, avec ses 4 gigaoctets de mémoire interne, la possibilité de synchroniser son casque Bluetooth. Alors, 4 gigas, on ne met pas grand-chose, mais bon, ça permet quand et même de faire quelques tours de stade. Notifications d'appel, de messages, tout c'est ça, c'est quand même super donc pratique. Donc, on peut dire que c'est peut-être le premier Noël où vraiment on peut dire, cette fois-ci, cette année, ça vaut le coup peut-être. Grâce à Android Wear notamment. De craquer pour une montre. Voilà, grâce à Android Wear, ouais, tout à fait. Moi, j'attendrai. Moi, ça démarre à quoi 180 euros. Alors 180. Alors les modèles qui sont là, c'est 199 euros, que ce soit pour la Gear Live de Samsung ou la ZenWatch, c'est 200 euros. Gear S, qui est le gros modèle avec son gros écran 2 pouces, qui fait bon, ça, c'est pour le coup, c'est vraiment trop gros. C'est 399. Et ensuite Moto 360, c'est 250. WeSings Activité, je crois qu'on est beaucoup 390, plus, on est à 400 euros. Ouais. Et LG G-Watch R, on est à 270 euros. Voilà, il y en a pour tous les prix. Très bien. Très bien. Parfait. Alors, juste la particularité aussi de l'activité, c'est qu'elle a une autonomie monstrueuse. Ah oui, 8 mois. Hein, donc, alors que les autres, ça, vous en parlez pas. Hein, ah. Le fait qu'il faut la recharger tous les jours ou tous les deux jours. On l'a dit tout à l'heure. Vous dites rapidement. D'accord. C'est la contrainte aujourd'hui. Tu peux me donner l'heure? Ah non, j'ai oublié de recharger ma montre. Je suis désolé. Excuse-moi. Je t'échange l'heure contre une prise de courant. Voilà, c'est ça. C'est pas beau. C'est pas beau. Bon, ça, c'est les montres. Allez. David, on a encore besoin de toi. Pour des jouets.
Oui, pour des jouets. Parce que on sait que tu es encore un grand enfant. Oui. Et que tu adores les drones. Exactement. Donc, quand on dit drone, c'est vrai que sur la partie grand public, on pense tout de suite à Parrot. Donc, effectivement, on a vu passer là cette année le Rolling Spider. Je ne sais pas si, oui, enfin, on le voit derrière nous, mais en tout cas, je ne sais pas si, voilà, celui qui est à l'image maintenant, qui est le mini drone de Parrot. Donc, là encore une fois, c'est un petit cadeau à 100€. Il est assez, il est vraiment rigolo puisque il vole et effectivement, ses deux roues sur le côté, permettent de rouler au plafond, sur les murs, etc. Et puis, l'avantage des produits Parrot, c'est que c'est très très simple à utiliser. Ouais. Mais c'est vraiment un jouet quoi. Enfin, une fois qu'on l'a fait rouler 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Déjà tu changes la pile, tu changes la batterie, pardon, tu le recharges, ouais. Puisque effectivement c'est le gros problème. 10 minutes maxi, je sais pas si on peut passer tous ces week-ends à ça quand même. Non, je pense qu'au bout d'un moment effectivement, on s'en lasse un peu. Ça se retrouve, c'est pas grave, ça se retrouve dans la chambre des enfants. Bon, mon fils a joué avec, il a 5 ans. Voilà, c'est bien. Il a cassé toutes les lampadaires chez toi. C'est quand même bien amusé. Personnellement, je suis assez pressé qu'il s'en lasse parce que ça fait un boucan d'enfer quand même. Effectivement. J'ai eu un autre produit du coup Parrot qui est le Bebop Drone, qui est cette fois-ci le modèle un petit peu plus sérieux, remplaçant le Drone 2. Voilà, à l'image, donc c'est effectivement le modèle beaucoup plus sérieux. Le pitch, c'est on a un Air Drone de nouvelle génération avec une caméra 14 millions de pixels en façade, digne de la qualité d'une action cam. En pratique, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, c'est quand même super amusant à utiliser parce que c'est très très simple. Et puis surtout, alors je sais pas si on peut avoir des plans de cette énorme télécommande Sky Controller qui fait quand même grimper le prix, hein, parce que ce drone là seul c'est 500€. Ah oui. Avec la grosse télécommande Sky Controller qui étant la portée à près d'un kilomètre, c'est 900€. Donc on n'est plus du tout dans le petit jouet de monsieur tout le monde, mais dans l'usage c'est vraiment très très simple. C'est c'est le bon gros jouet du papa. Exactement. Et puis en plus, bon, là, on peut vraiment, j'allais dire, taquiner le monde professionnel dans le drone, parce que avec la grosse télécommande, on a plusieurs kilomètres de portée. Là, oui, en France, vous pouvez vraiment vous amuser. On n'a pas le droit, hein, je te signale. Alors, le problème, c'est ça. On n'a pas le droit de le perdre de vue. Non, mais on est borderline au niveau législation, quoi, avec ce genre de choses. Hein. Bah, c'est un autre débat. Il faut respecter, oui. Non mais voilà, tu peux pas survoler tous les immeubles alors que tu en as la capacité technique. Hein, avec il peut aller très haut, très loin. Et ça marche vraiment bien. Très réactif après. Encore une fois, ça va être problème d'autonomie. Toujours une dizaine de minutes en vol. En même temps, il faut les faire tourner. Hein, c'est sûr qu'avec 10 minutes, on peut pas aller très très loin. Voilà. Alors, il faut bien calculer le truc. Une fois qu'il est parti à 10 km, voilà, c'est ça. Il faut le faire revenir. Il s'est posé sur l'immeuble au fond à droite, là, en sortant. Vas-y, d'accord, ok, bonjour. C'est super. Je précise qu'il fait encore plus de bruit, celui-là. Ah oui. Ah mais vraiment. Et puis, il fait du vent aussi, accessoirement. C'est vrai. C'est pratique. Voilà, le drone. Qu'allez-vous vous offrir, vous, pour Noël? C'est la question 01net orange du jour. Vous pouvez voter, vous allez sur 01nettv.com. Eh bien, c'est toujours le smartphone à l'heure actuelle qui arrive en tête. Le drone tient cinquième position hein, pour l'instant. Bah, c'est vrai que c'est cher en même temps. Ça reste cher. Il y a encore pas mal de contraintes. Et puis surtout ce flou, on le disait à l'instant, où est-ce que je peux faire voler un drone? C'est un vrai problème. À la campagne, c'est ça. Au bord de l'eau. Dans son jardin, son grand jardin. C'est vrai qu'en milieu urbain, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à continuer, vous votez, 01net.com. Vous pouvez aussi nous laisser vos messages via Twitter avec le hashtag 01live. À suivre tout à l'heure, Pépé Garcia qui va nous donner ses petits conseils aussi de cadeaux high-tech. On reviendra sur 01net TV Idol, hein, Jérôme, tout à l'heure. Oui. Avec la sélection de cadeaux de Romain et puis on accueillera aussi Anne-Lise. Ben voilà, je pense qu'en fait, on va se passer un petit jingle histoire de faire un changement de partenaire. C'est ça. Et puis on revient. Merci, Stéphanie, et on va, David. Ouais, parler de TV, d'audio et de vidéo comme sélection de cadeaux. À tout de suite. Allez, il s'assoit. Oui, attends. Il est là, mesdames et messieurs. C'est du live, hein, les amis. Hein, on fait ça en live. Comment ça va, Pépé? Mais regardez, mais je suis en pleine forme, je suis tellement jovial quand je suis là. Moi, je vous vois depuis tout à l'heure, je suis mort de rire. Parce c'est que vrai? C'est vraiment génial. Vous aussi. J'apprends plein de trucs. Sautiller derrière la caméra. Ça voit tout à fait, je trépignais d'impatience. Oui. Que vais-je faire? On t'entendait d'ailleurs, on entendait tes petits pieds comme mais ça. Mais oui, c'est moi. C'était moi. Ça. Eh bien voilà, ton heure est arrivée. N'est-ce pas? Bon. Bon, alors, on va pas Bruno commencer Cormier, par toi. Ça nous a rejoint aussi. C'est pas tout à fait vrai. On va commencer par Bruno, avec la télé. Parce que ça, c'est ton rayon, Bruno. C'est très simple. Ton coup de cœur cette année. Moi, je suis venu pour parler d'une seule chose, en fait. C'est ça qui est bien. Mais tu sais quoi, c'est un peu le truc de guest star, quoi. Ouais, voilà. Tu parles d'un truc, et après, il s'en va. Au revoir. Ça, c'est la grande Bon, alors, aujourd'hui, si vous voulez acheter une télé, c'est facile.
C'est très facile, il faut acheter... Dans un magasin. Oui, c'est pas où il voulait en venir. Il faut acheter la Sony W8. Elle existe en 50-55 pouces. Je vous conseille la 55 pouces parce qu'elle est pas chère du tout en ce moment. La Sony, t'es sûr? C'est Sony, hein? Sony, W805B pour être excellent, c'est exactement celle qui est à l'écran. Ouais. Et pourquoi celle-là? Pourquoi? Parce qu'elle coûte 800 € pour un 55 pouces. C'est juste rapport taille-prix-qualité totalement imbattable sur le marché actuellement. En juillet, elle coûtait 1300. Aujourd'hui, elle coûte encore 1300 chez certains revendeurs. Ouais. Mais on peut la trouver sur le net, je ne dirais pas où, mais c'est très facile de la trouver, à 800 €, 799, et là c'est vraiment prix, c'est totalement incroyable même, parce que vu la qualité de la télé, c'est l'ultra bon plan de Noël. Mais c'est quoi, c'est du haut de gamme quand même? C'est du haut du milieu de gamme, c'est le haut du milieu de gamme, et honnêtement par rapport à la qualité qu'elle offre, dans quasiment tous les domaines, la qualité des options, des menus, la qualité d'image, le contraste, vraiment c'est nickel. Connecté? C'est connecté, Wi-Fi intégré, les menus, enfin tout le smart TV connecté, tout ça. C'est vraiment excellent, l'image est nickel. Alors faut toujours faire attention quand vous achetez une télé LCD comme ça, avec LED Edge. Elle est très fine, hein, avec des rebords très très fins, vous voyez. Quand vous achetez une télé comme ça, LCD avec des rebords LED Edge, c'est la loterie un peu. Donc vous pouvez tomber sur une télé qui souffre de clouding. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une genre de tache grise à l'écran sur les noirs. Alors que, c'est-à-dire une lumière, les noirs qui sont pas totalement homogènes. C'est un problème. C'est grave. Alors c'est un problème, mais c'est le problème de tous les téléviseurs LCD LED. C'est notre rêve là. Tu nous dis 800 euros. Super télé, mais bon, faites attention. Même les télés à 3000, c'est un problème. Les télés à 3000, ça ferait la même chose. Voilà, les télés à 3000, c'est exactement pareil. Le LCD comme ça, c'est comme si on regarde la nuit. Et puis à un moment donné, il y a des taches dans la nuit. C'est beau quand même, des taches. Honnêtement, dans la nuit. C'est clouding. C'est magnifique. Honnêtement, on focus là-dessus parce que c'est un problème sur lequel les utilisateurs très exigeants focus à mort et se concentrent à mort là-dessus. Ah, le clouding. Honnêtement, je dis ça en temps. Pour le grand public, c'est pas si grave que ça. Vraiment, c'est pas si grave que ça. Pépé n'est pas tout à fait d'accord. Mais enfin, quand on achète une télé 3000 boules et qu'elle a du clouding, moi je suis au bord d'un évanouissement. Arrêtez. Tu dis qu'en même temps, que soit le prix, je parle d'une télé à 800 €. Là, hein. À 800, à 3000, le non, problème. Mais vous savez quoi, je vais vous mettre d'accord, les amis. N'achetez plus de téléviseur. LG OLED. L'OLED. Et là, plus de clouding. Plus rien. Oui, en plus, d'accord. Tu l'as testé il n'y a pas longtemps, tu es amoureux de cette télé. Oui, mais elle est très chère. Je parle d'un bon plan. Moi, Non, mais là, on la touche à 2002. Ouais, 2002-2003 actuellement avec les offres de remboursement. Le plasma n'avait pas de clouding, mais le plasma consommait énormément. Le plasma était très peu lumineux. Enfin, bon, ça, il y avait des problèmes aussi. La querelle des anciens contre les non, mais aujourd'hui, cette télé à 800 € offre une qualité d'image qui est très proche des télés qui coûtent 2000 €, honnêtement, je vois pas la valeur ajoutée des télés 2014 actuelles à 2000 € par rapport à celle-là. Vraiment, bon, c'est écoutez, très très fin quoi, comme truc. On se refera un 01 live spécial. Et télé. Je vous dis, celle-là, c'est un très bon plan. Au revoir. Non, il a bien défendu son truc. Merci Bruno. On appelle Bromier ici. En télé toujours. Et Christopher, t'avais un coup de cœur, je crois. Toi. Non, aussi. Non, mais pas. Mais non. Si, ça commence par un C, c'est Chrome. Ah oui, le Chromecast. Non, mais il y a que. Non, mais deuxième. Pardon. Non, mais Chromecast, vous savez, c'est cette petite clé. C'est cette petite clé Google que l'on branche sur le port HDMI de son téléviseur et qui permet de diffuser l'image de son téléphone Android. Ça coûte 35 € et ça a exactement les mêmes fonctions, peu ou prou, qu'un Apple TV qui est vendu 100 €. Et donc, c'est surtout une petite clé qui évolue. Sans cesse au rythme des mises à jour et c'est vraiment un petit cadeau, voilà, 35 €, très pratique idée de cadeau de Noël, ouais. Voilà. Ça marche sur tous les téléviseurs, il suffit d'avoir un port HDMI, donc la télé est assez récent, quoi. Ouais. Enfin, pas trop être apporté Wi-Fi, apporté d'un bon réseau Wi-Fi malgré tout, pour pouvoir véhiculer la vidéo. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que ça marche à la fois sur Android mais aussi sur iPhone, puisqu'il y a une appli iPhone Chromecast. Et Windows Phone? Non, on ne sait pas. Il pose toujours des questions. Ouais, je viens de reconnaître sur les images de démo du Chromecast, c'est une Sony W8. Mais il y a un peu de clouding quand même. Au revoir. C'est la télé de Florian. C'est un passionné. Voilà. Non, bon. 35 €, c'est un super bon plan. Oui, c'est vrai. Et on peut même le trouver moins cher. Il y a des petites promos. Ouais. C'est pas mal. Alors écoutez, il va falloir qu'on y aille parce que les fans sont là. Ils trépignent. Mais ils veulent du pépé. Ils veulent du matos. Et moi, c'est secondaire. Et ils veulent le matos de pépé. Le matos. Alors les coups de cœur, j'en ai des wagons cette année parce qu'en plus, si vous voulez, les enceintes, les casques, c'est le fruit de saison. Ça se
vend comme, voilà, par palette de tous les côtés. Donc dans le milieu des palettes, je suis en dessous. Quand, ah, qu'est-ce qui va tomber du camion? Et je t'ai fait tomber du camion des trucs quand même. Montre. Bah, tomber du camion, ça veut dire chouraver. Hein. Non, bah, mais moi aussi. I am a voleur, I am a thief. Je chourave. Alors voilà, il y a des petits produits sympas pour Noël. Je vais en montrer, je vais en citer en même temps parce que ceux qui sont voilà pour qu'on voit un petit peu les vidéos. Alors Apacher enceinte. Enceinte Grundig, c'est le grand retour de Grundig. Moi, j'y croyais pas trop. Ils reviennent avec la GSB. Moi, j'avais un TV cathodique Grundig. D'ailleurs, il est à vendre. Quand j'étais jeune, pas né. Hein, donc, si vous voulez lui racheter. Grundig. Le pire, c'est que c'est faux. Et on a le même âge. Voilà, c'est ça. Mais je suis vachement plus jeune. C'est, vrai, c'est dingue. Je dors dans le formol. Enfin, revenons au sujet. Donc, le sujet. Il a pris le formol de Michael. Grundig, petite enceinte qui sort 99 euros. Ça perd très facilement en Bluetooth. Petit design sympa, comme ça, sur le fond vert, ça va être super cool, on les verra Mais comment t'as fait pour choisir ça? Il y en a des kilos. Eh bien, parce que celle-ci, moi, je l'ai écoutée, je me suis dit, pourquoi celle-là? Je me suis dit, celle-là, elle me faisait rire d'abord. Je trouvais très drôle, très solide en plus. Résiste aux embruns et tout. L'étanche. La connectivité. Ouais, l'étanche. On l'a testée sur 01net. On l'a mis de l'eau dessus. Elle est étanche. Elle s'appelle la GSB 200 NFC. Elle est Bluetooth NFC. Petit son sympa. Donc, un petit choix comme ça, tout cool. Parmi les produits, on va peut-être pouvoir voir les vidéos, mais un truc un peu plus coûteux, c'est la BW, donc Bowers & Wilkins. Ah oui. Ah oui, non, mais là, on est carrément. Ah bah, tu passes de Grundig à Bowers & Wilkins, quoi. Écoutez, je suis comme ça, je suis un homme de contraste. Ah non, mais c'est pas. Vrai, c'est vrai. Bon, alors, elle s'appelle la T7. Relève, la T7, alors, le bord de la BW T7, c'est des nids d'abeilles, donc elle est entièrement amortie et tout. 349 euros le bousin, pour un truc très sympa avec un très très beau son, à la limite de la hi-fi pour la BW T7. Ça, c'est un de mes coups de cœur, c'est Ultimate Ears, un petit peu décoré, hein, maison. Ultimate Ears, c'est la Boom. C'est toi qui as fait ça? Non. J'ai fait le suspense quand même. Hein. Parce que c'est on a cru un moment. Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'ici. C'est vrai? C'est quelqu'un d'ici qui s'est senti. C'est Aymeric Siméon. Ah, bah, d'accord. C'est ça? C'est Aymeric? Voilà. Mais oui, il faut rendre à Aymeric qui appartient à Aymeric. Ah ouais, non, mais. Ça appartient à Aymeric. Mais Aymeric est un artiste. Ça se voit tout de suite. La tête. On peut la trouver à 149 euros. Elle est à vendre aux enchères. Et ce qui est bien ce produit, c'est le son sur 360 degrés. Ça vous met ça au milieu de la pièce. Et hop, c'est tout autour. C'est très sympa. Ça perd très facilement. C'est très joli. Et comment il a fait ça exactement? C'est de la peinture, en fait? Faut que tu lui demanderas. Bon, alors. Pépé. Oui. On peut en mettre deux. On peut en mettre deux. Pour avoir la stéréo. Pour avoir la stéréo, on peut en mettre deux à côté du PC et autres. Bon, écoutez, côté hipster, bon, j'ai pas la barbe et tout, mais c'est le produit pour hipster. Beoplay. Ah oui, voilà, c'est Bang & Olufsen qui sort une enceinte qui s'appelle l'A2. Regardez un peu le look. Alors, c'est quand même très très beau. Le côté, on peut aller en boîte de nuit avec. C'est un peu sac à main. Il tease un peu sac à main. Pourquoi c'est hipster particulièrement? Pour t'embêter. c'est terrible, mais je sais plus quoi faire. Je vais dire, mais faites quelque chose. Donc, le produit coûte un peu une blinde. 349 euros la bestiole. Attention, une construction symétrique totalement. C'est-à-dire couper l'enceinte en deux. Vous avez chaque côté un haut-parleur et tout tremblement. On pose au milieu, même chose, 60 degrés. Un son super hi-fi, très 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 sympa. Parmi les petits produits que j'aime bien qui sont moins chers, il y a JBL, grosse marque quand même JBL. Bah oui. Il y a JBL Flip 2 qui est super cool à 99 euros. La JBL Charge 2, je ne sais pas si on a des images de la Charge 2, qui est très très. Voilà, oui. Ça passe. La Charge 2, j'aime beaucoup le produit parce que c'est tout petit et ça crache. On ne sait pas d'où vient le son tellement il y a du son qui sort de ça. Et puis en plus, c'est très. C'est pas la même que celle-là. C'est un peu ça en plus puissant. Regardez en même temps, regardez, radiateur passif, ça fait boum boum. On entend déjà Dr. Dre derrière. Enfin, boom, ça c'est boom. Une pub, Pépé. Oui, mais ça suffit. Oh. Hein. Bon, alors, il y a aussi les speakers. Et ça recharge le téléphone en plus. Oui. Il y a une batterie à l'intérieur. Oui. C'est la classe. Alors, il y a la Love Speaker To Go, qui est un petit coup de cœur. Et il y a toute la gamme Bose. Est-ce que ça recharge les tablettes? Pardon? Est-ce que ça recharge les ça tablettes? Ça peut, mais alors après, je peux sûr qu'il y a beaucoup de sons qui restent. Ça recharge les montres voilà, aussi. Voilà, il y a donc les Bose Soundlink, qui sont des grands classiques. Ça va donc de 190 à 300 euros. Ça coûte une blinde, mais le son est bon. On nous dit alors là, sur Twitter... c'est du multi-room, hein, Soundlink. Ah non, c'est Soundtouch, pardon. Je fais du nomadisme. D'accord, on est d'accord, pardon. Oui. Oui, non, on nous dit sur Twitter, ça fait un peu essuie-tout. Qui a osé? Voilà, donnez-moi un nom tout de suite. Alors, vous savez très bien que j'aime un truc, parce que tant que j'ai pas de cheveux, j'aime bien les casques, ça me tient chaud. C'est super cool. J'y ai des coups de cœur, et ça va coûter un peu une blindos. Bon, alors, le problème. Alors, celui-ci, tout le monde le connaît, parce qu'on a fait un peu là-haut-là. C'est le Zig 2.0, qui est pour moi un coup de cœur, parce que c'est le produit, un rêve d'ingénieur. Enfin, quand c'est le produit qui a demandé des années de... Oui, c'est Parrot. Dedans, vous avez un circuit électronique, numérique, machin. Vous avez 6 micros pour capter les sons incidents, pour faire des réductions de bruit, un son génial. Surtout une super application qui va avec, qui permet de tout gérer au doigt carrément. On peut faire des ambiances, se transporter. On peut être dans le métro le matin et après on est dans le plumard. Et hop, se faire piquer. Oui. Alors donc c'est un choix, bien sûr. Si vous aimez le 349 son... euros quand même. Hein. Tu dis pas le prix. Hein. Ah mais c'est, je crois que je l'ai dit. Tu l'as dit? Oui, je crois. 349. Ça c'est pour blindos. Moi, parce que c'est pour les gens qui ont. Et ça c'est le top du top. Alors là c'est le top. Regardez. Ah non mais c'est grandiose. Baisse ta tête. Voilà.
Là, parce que baisse là, la tête, t'auras l'air d'un coureur, ce qui est formidable. Mais attendez, c'est des gros malades, ces mecs. Alors, c'est le casque Philips Fidelio X2. C'est vraiment de la hi-fi. On dirait un teenager russe. Attends, pourquoi russe? Je sais pas. Tu peux penser à ça. Un peu hipster quand même. Sauvez-moi, mais venez, sauvez-moi. Bon alors, 299 €, c'est vraiment une construction super. C'est une construction. Super c'est une construction. Alors par contre, le truc, c'est de la hi-fi avec du grave derrière. Hein. Donc c'est pour les gens qui aiment un bon son, très sympa. Moi, je trouve que vraiment Philips cette année a fait des très belles choses, beaucoup de coups de cœur pour moi. Il y a eu le A1 Pro, il y a eu le A5 Pro chez Philips, des bons produits. Également, il y a Sennheiser qui fait les Momentum, très très bons produits Momentum qu'on trouve à partir de 140 €. Il y a le HD25 de Sennheiser qui est très très bon. Il y a l'AKG 701 qui est un super petit produit également, qui est très très vendu. Audio Technica ATH-MR. Oula, on a toutes les références là. Oui. Donc voilà, ça coûte 240 €. Et il y a un de mes coups de cœur tout à fait récent qui s'appelle le Ultrason. Et c'est le 840. C'est un des meilleurs sons que j'ai entendu récemment. Ultrason. Il est moche comme un pou, mais c'est un super produit. C'est un produit très hi-fi, très défini dans l'aigu. C'est assez rare pour ce prix-là. Pour 240 €, on a l'impression de foutre un casque qui coûte 500 €. C'est vrai. Donc l'Ultrason. Mais c'est quelle marque? Ultrason 840. D'accord. C'est une marque allemande qui est très connue en Allemagne. Comme Grundig. Mais c'est formidable, François. Je sais. Et voilà, donc c'est un de mes coups de cœur en ce qui concerne les casques. Autrement, il y a le Backbeat Pro qui fonctionne très bien. Il y a plein d'autres petits trucs. À pas cher, on a toujours nos petits casques. Bien sûr. Cos, Porta Pro, il y a des petits trucs comme ça. Il y a du Sennheiser. Il y a du Sennheiser, il y a du Yamaha à pas cher. Bon, bref, c'est le fruit de saison. Il y en a plein. Merci, messieurs, dames. C'est super. Super, bravo. On l'applaudit. Et on fait maintenant ou pas du tout? Écoute, on peut faire maintenant. Ouais, alors on peut enchaîner. De toute façon, ça fait un moment qu'on a lâché le conducteur. Voilà, sur la chaîne. Alors là, ça ressemble à du GoPro. Je sais pas si on peut. Ça ressemble à du GoPro. It is not GoPro. Ça s'appelle CJCam. C'est la CJ4000. C'est un de mes coups de cœur. Parce que pour 79 €, il faut dire que ça arrache. Il y a carrément l'écran qui est intégré avec. Il y a 15 accessoires livrés avec, carrément. Ça fait une très belle image en Full HD. Ça ne filme pas en Ultra HD. Tout le monde se fout de ma gueule sur ce plateau. Non. Il est largement temps que j'aille. On est tout ouïe, Pépé. Le chef dans le Larzac, je vous jure. Franchement. Regarde ta photo sur Twitter. Non, au secours. Donc là, elle est très très bien. Alors la version Wi-Fi fait 99 € uniquement, une image nickel, un son un peu... Quoi, elle est mieux que la GoPro? Non. Ah. Non, elle n'est pas mieux. Disons que pour le prix, j'ai c'est un vu bon rapport qualité-prix. Bah, super, voilà. Donc la CJCam SJ4000, excellent rapport qualité-prix, surtout qu'il y a plein d'accessoires dedans, bah, ça j'adore, on achète la boîte, il y a tout dedans. C'est bien. Il y a carrément le caisson pour plonger dans la baignoire et tout. Moi, je trouve ça, c'est délicieux, quoi. Je veux dire, c'est génial, c'est super. Faire une vidéo dans la baignoire de Pépé, ça fait rêver. Je suis épuisé, moi, après la chronique de Pépé, là. C'était bien, Pépé, bravo, c'était bravo. Non, c'était super, voilà. Franchement, là... T'as même pas parlé du bonnet. Mais je crois que c'était ah bah oui, les bonnets, bah, attendez, c'est maintenant le bonnet, alors. Ah, c'est maintenant. Ouais, bah, c'est la tête de Roland Coureur, je vous la fais. Alors, le bonnet... Voilà. Voilà. Parce que c'est un casque. Voilà, chacun le sien. Alors là, ça s'appelle... Voilà. Non, il n'est pas là, c'est formidable, c'est Arcos qui sent ça, c'est l'Arcos Music Bini. Ça ne coûte que 29 €. Mais à quoi ça sert? Il y a deux haut-parleurs, un haut-parleur ici, je ne sais pas où la caméra, un haut-parleur là, vous avez en même temps de la musique, vous pouvez donc appairer le bonnet avec votre smartphone. Quitte main libre, en même temps, vous avez des petits boutons. Vous appuyez ici sur le petit bouton, je ne sais pas, la 12, la 2000, là-haut, je ne sais pas le bouton, voilà, par là. Caméra 12, le petit bouton est ici. Caméra c'est la 14, 12, on appuie ici, on peut s'appairer, plus, moins, le haut, le bas, et on prend un appel téléphonique, on fait plup, et on peut parler comme ça, main libre. Mettre ton casque en plus, voir ce que ça donne. 29 €. Et alors le son, qu'est-ce que ça donne? Et le son est pas mal pour le prix, 29 €. Moi, j'y croyais absolument pas, quoi. C'est Noël, c'est pas Mardi Gras. Et franchement, c'est Noël. Voilà, là, franchement, écoute, si après, quoi, je vais pas jeter des pierres. Non, mais attends, on est en train de vivre un moment incroyable, quoi. Au moins, de tenir en même temps. Le bonnet, le casque, tu es magnifique. On va dire ça comme ça, oui. C'est superbe. Joe le Bouffon a fini. Donc après, il y a les Blu-ray. Mais... Attends, mais les Blu-ray, ça sera pour tout à l'heure. Tout à fait, mais alors je vais gâter, mais. Alors, va boire un petit verre d'eau. D'accord. Va réchauffer tes petites oreilles. Et après, tu reviens pour ta sélection Blu-ray. Il a des coffrets incroyables. Il y a encore ton truc continuité qui marche bien. Il y a beaucoup de gens qui t'appellent. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, désolé, mais tu es en pleine affaire en ce moment. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Je suis au boulot. Que pensez-vous de tous ces produits, tous ces cadeaux? Est-ce que ça vous inspire? Dites-le nous. #01Live. Bon, on poursuit. Action Cam, ça c'est fait. Alors, ça c'est fait, l'audio, la vidéo, tout ça, la télé, c'est fini. Ouais, on va revenir dans un instant pour la troisième partie. Exactement, on va passer à la suite. Il nous reste une troisième partie avec plein de bonnes choses encore. On va parler de jeux vidéo, de Blu-ray, de jouets et puis notre ZeroNet TV Idol.
C'est la troisième partie de ce Zéro Live Hebdo exceptionnel. On a prévu une heure, à mon avis, c'est pas impossible qu'on déborde un peu. Ouais, cela dit, on est parti à 6, hein, donc on a encore une petite vingtaine de minutes. Spécial Noël. Voilà. Et puis sachez que vous pourrez retrouver ce live, bien sûr, en replay. Vous êtes souvent nombreux à nous dire « Ouais, j'ai raté le live, etc. » Pas de soucis, les amis. Quelques minutes après, le replay est disponible à la fois sur YouTube et sur zeronet.com et sur Dailymotion. Voilà, donc vous avez vu, il y a eu encore un petit changement de partenaire. Ouais. J'ai une demoiselle à mes côtés, on va vous la présenter dans un instant. Dans un instant, voilà. Mais juste avant, François, on va retrouver notre ami Romain. Oui, alors vous savez, si vous êtes un fidèle de Zéronet TV, du Zéro Live Hebdo, vous avez sans doute entendu parler de notre concours Zéronet TV Idol de la rentrée dernière. On vous demandait de nous envoyer vos vidéos de tests produits, vos petites vidéos high-tech, et puis on a fait une sélection qui a été difficile, hein. On a eu 3 gagnants. Alors Romain a été notre gagnant, on va le retrouver dans un instant, avec une petite vidéo qu'il nous a faite, qui est très sympa. Il nous a fait son top 3 des cadeaux de Noël high-tech. Voilà, donc Romain Lanéry, c'est à toi. Eh bien, salut tout le monde! Comment allez-vous, les amis? C'est Romain de la chaîne Tech News et Test et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale en exclusivité sur la chaîne de 01net. On va découvrir tout de suite un top 3 spécial high-tech, spécial Noël. Suivez-moi, c'est parti! Commençons en beauté pour ce top numéro 3. J'ai tout simplement souhaité vous parler de la GoPro Hero proposée à 124€. C'est l'entrée de gamme des nouvelles gammes dans cette année 2014 proposée par GoPro. Je trouvais ça hyper sympa à vous présenter puisqu'à 124€, on va pouvoir filmer en 1080p en 30fps. Ça nous suffira largement pour filmer toutes nos vacances. Et en plus de ça, pour tous ceux qui sont un peu plus du côté de la plage et de l'eau, vous allez pouvoir bénéficier d'un caisson étanche qui est intégré directement dans le packaging que vous allez acheter. Donc vous avez tout pour 124€ pour pouvoir filmer vos vacances comme il se doit. Passons donc à ce top 2, je voulais vous parler du stylo qui va vous permettre d'écrire en 3D, qui est proposé par 3D Doodler à moins de 100€, 99€ exactement. Vous allez en plus de ça pouvoir bénéficier des recharges qui sont déjà incluses lorsque vous achetez le produit. Je trouve ça vraiment super sympa, j'ai pu faire une vidéo de présentation sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir là en image, c'est super créatif, ça tient vraiment très bien, c'est assez robuste. En plus de ça, c'est bien évidemment un bâtonnet de plastique qui va être chauffé par la buse du stylo, qui va suivre votre coup de crayon afin de créer tout ce que vous souhaitez. Et on termine déjà, je sais, c'est déjà la fin, bientôt. Je voulais finir par le Rock Air. J'ai pu découvrir ce produit à la Paris Games Week. Il y avait un petit coin high-tech. J'étais super surpris. C'est tout simplement une petite enceinte portable que vous allez pouvoir accrocher là, par exemple, grâce à un brassard. Et cette enceinte-là se chargera de retransmettre le son de par onde. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement qu'elle n'intègre pas des... mais elle va se charger de retransmettre le son par onde, ce qui est plutôt sympa. Et l'entreprise a vraiment pensé à tous ceux qui peuvent porter des casques, que ce soit pour la moto, pour le vélo, pour tous les sports extrêmes. Vous avez juste à pluguer la petite deuxième partie de l'enceinte sur votre casque et ça se chargera grâce à la connexion en Bluetooth qui sera elle-même connectée à votre smartphone à envoyer la musique directement dans votre casque sans posséder d'enceinte à l'intérieur. Voilà les amis, ce top 3 est déjà terminé, spécial Noël, spécial high-tech, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. J'étais ravi de pouvoir proposer ça sur la chaîne de 01net ce soir. Retrouvez toutes les présentations et tout ce que je peux faire d'habitude sur ma chaîne Tech News et Test. Mais d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Merci Romain. Voilà, donc lui aussi il fait dans la action cam, hein, c'est normal. Et Romain qu'on retrouvera, je pense, assez régulièrement dans Zéro Live Hebdo. Bien sûr, dans Zéro Live Hebdo et puis bien sûr sur 01net TV. On est ravis d'avoir avec nous Anne-Lise. Salut Anne-Lise. Bonjour. Alors Anne-Lise est l'un des 3 gagnants en fait de notre concours 01net TV Idol. On avait cité ton nom il y a quelques semaines quand on avait délibéré et puis surtout donné les noms de nos gagnants. Alors Anne-Lise nous avait envoyé une petite vidéo très sympa. En fait le test d'une application qui permettait de manipuler des photos, etc. Donc on l'avait reçu, et puis on avait délibéré, on avait décidé de te mettre en avant sur Zéronet Idol. Alors, juste un mot quand même, parce que dans un instant, on va te remettre ton cadeau. Tu fais des vidéos, c'est ta première vidéo, tu en fais souvent, raconte-nous. Bah, en fait, c'était ma première vidéo. J'ai vu qu'il y avait un concours, et je me suis dit, bon, bah tiens, c'est l'occasion, je suis en vacances, je vais me confronter à l'exercice. Et oui, puisque c'était durant l'été hein, qu'on vous demandait de faire des vidéos, donc voilà, pendant tes vacances, tu dis, je vais me faire une petite vidéo. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis bibliothécaire.
Ah, chouette. Dans la région parisienne, c'est ça? Oui, dans le 95. Mais tu aimes bien les technos? Ouais, je suis passionnée, je fais énormément de veille high-tech. Mais après, c'est vrai que je suis pas du coup technicienne. Voilà, les caractéristiques, les performances, tout ça, ça me parle de loin. Et c'est pour ça que du coup, pour ma vidéo, j'avais choisi de présenter une application. Parce que je me suis dit, le côté fonctionnel, c'est intéressant aussi. Et moi qui n'y connais rien, comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse finalement. Qu'est-ce que je peux faire avec mon matériel? Quoi. Ouais. En fait, on est tous un peu geek aujourd'hui. Hein. À partir du moment où on a un smartphone, on télécharge des applis, etc. On se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Hein. Mais en tout cas, bienvenue, bravo. On attend d'autres vidéos de ta part. N'hésite pas à nous les envoyer. Tu en as d'autres en chantier là Là, comme ça, non, mais je vais y songer. Faut que tu y penses. Tu sais qu'il y avait un cadeau pour toi. Oui. Voilà. Il y avait en troisième position pour ce cadeau eh bien une perche selfie. Donc tu vas pouvoir faire des super vidéos toute seule comme ça. Comme génial. C'est les faire. Pépé, tout est mieux. Je sentais, il peut te donner, je sentais que c'était pour moi. J'ai défriché le terrain. Il y a deux personnes qui ont défriché le terrain. C'est Fanny Bouton et moi. On a été les premiers à faire des bêtises avec nos perches. Voilà. Et puis c'est maintenant. Eh bien, Anise pourra poursuivre. Bravo. Vas-y. Bravo. On attend d'autres vidéos de ta part. Au les cœurs, Anise. Ok, j'y manquerai pas. Super perché avec Pépé. Pas mal, pas mal, ouais. Pas mal. Voilà. Bon. Je vais revenir, moi. Il a fait mieux, mais bon. Bon, Christopher, on enchaîne avec les jeux vidéo. Ouais, avec les jeux vidéo. Donc, comme on le sait, Noël, chaque année, c'est les jeux vidéo. Les deux nouvelles consoles phares, Xbox One, PS4. Alors, c'est quoi les jeux incontournables qu'il faut absolument offrir? Donc, Assassin's Creed Unity. Moi, je suis tombé. Mais qui fait consensus. Mais il marche maintenant. Ouais, franchement, ouais, la plupart des bugs ont été corrigés. Il faut dire que c'est quand même un jeu sublime qui permet en plus de voir Paris sous un autre œil. Voilà, vraiment sympa. Donc, c'est vraiment un jeu next-gen, quoi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il prend toutes les capacités graphiques de la PlayStation 4 et de la Xbox One. Hein. Réservé aux consoles next-gen, d'ailleurs, qui n'existent pas sur les Xbox 360 et PS3. Moi je suis un fan de foot et je me dis une console sans FIFA 15 c'est juste ça le fait pas possible. Donc FIFA 15, même si cette version par rapport à FIFA 14 n'a pas connu énormément d'évolution, pour moi ça fait partie des incontournables sur les consoles de salon. Donc Christopher est plutôt FIFA plus que PES, hein, on l'a compris. Mais même si PES 2015 m'a beaucoup démérite pas. Franchement, il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est ton choix. Vous savez ce qui se passe aux alentours des 19h30 dans le labo, hein. Il y a le canapé, la télé et FIFA. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et ça y va, hein, croyez-moi. Hein. J'espère donc que deuxième, on n'écoute pas. Non, 19h30, ça va. Il faut se détendre un petit peu. C'est vu chez Google. C'est avant de sur mettre deux autres jeux qui pour moi sont incontournables. GTA 5, qui n'est pas un jeu récent, mais qui vient de ressortir sur les nouvelles consoles de salon, qui revient. C'est pas juste un portage comme ça, tout simple. Ils ont ajouté des nouvelles textures, des nouvelles vues, etc. Donc c'est même pour ceux qui ont déjà joué à GTA 5, franchement, nous on conseille de se refaire le jeu en entier sur les nouvelles générations de consoles. Et aussi un jeu qui n'est pas tout récent mais qui est incontournable, Watch Dogs, qui en plus du coup est à un prix un peu moins élevé aujourd'hui qu'au moment de sa sortie. Un grand jeu d'Ubisoft aussi. Un grand jeu d'Ubisoft, etc. Très bien. Parfait, ça c'est pour les jeux vidéo. Tiens, on se fait encore un petit rappel concernant notre concours, parce que je vous le rappelle, sur 01net.com, il y a encore des cadeaux qui vous attendent, dont une super télé 4K. Ouais, on met le paquet pour Noël, une grosse télé 4K, 49 pouces, Sony, pas grand chose à dire. Comment gagner, avant le process, il y a aussi deux tablettes Shield à gagner, on en a parlé tout à l'heure, avec leur manette, une version 4G, une version Wi-Fi. Et cette grosse carte graphique, joueur à poil dur, voilà, une GTX 970. les joueurs savent de quoi on parle ici. Ouais, c'est-à-dire qu'avec pour ça, jouer, tu peux hyper jouer. Hyper simple, vous allez sur 01net.com, direction le grand guide de Noël de 01net. Vous avez une partie jeu concours, vous rentrez juste votre nom, prénom, mail, vous faites je joue et hop. C'est parti. Parfait, très bien. Allez-y, les résultats des gagnants, c'est pour quand? Le 24. Le 24, waouh. Par la cheminée. Ça. Très bien. Le retour de Pépé. Je ne suis pas parti, les garçons. Non, mais tu es toujours là. Je suis resté là. Moi, je suis posé. T'es bien. Je suis calme. Ben voilà. Moi, je vous écoute. Je prends mon pied. En plus, j'adore les jeux vidéo. Anise a un peu peur. T'as vu, à chaque fois que tu parles, elle se rend compte. Oulala. Non, mais c'est bon. Comme quoi. Ça. Mais j'ai jamais fait. Non, mais Anise, pas de soucis.
Il n'y a pas de problème. Je suis un tellement gentil, mais je suis un petit peu excité de nature, c'est rien. C'est vrai. C'est super rien. C'est pour ça qu'on t'aime. Ouais, imaginez, oui, bonjour, c'est 01Net. Je vous présente une petite enceinte sympathique. Non, mais attendez, non, ça ne sert pas. Non, non, ça c'est la concurrence, laisse tomber. Oh, c'est pas gentil, comment je l'ai pensé aussi. Voilà. Alors, vous voulez que je fasse quoi, les garçons, là, maintenant? Les bon. DVD, enfin les DVD, non, ça existe plus. Les Blu-ray. Les cassettes VHS. Les cassettes. Sélection de... La sélection de cassettes. Non, mais... non, de disques vidéo, tu sais. Des laserdiscs. Ouais, ouais, c'est ça, oui. Alors, sortez Blu-ray. J'ai pas vraiment sélectionné des Blu-ray. J'ai sélectionné quelque chose qui était plutôt visuel. C'était plutôt des coffrets. Parce que à Noël, on offre des coffrets de Blu-ray. Et oui. Et il y en a des jolis ou des pas jolis. J'en ai trois. J'en ai un qui est pas très joli, mais qui est sympa. Tadam. Pour les fans, les Sopranos. Alors moi j'adore les Sopranos, c'est un très très beau coffret avec vraiment beaucoup de bonus, l'intégrale est à l'intérieur de cette chose, 90€ et vraiment un très très bel objet pour offrir à Noël, mais j'ai bien sûr beaucoup mieux bon. Que cette chose. Oui parce que voilà. Là bon c'est un coffret, voilà ça ressemble à un coffret. C'est un coffret, voilà. It is a coffret. It is a coffret, ah, mais le bon vieux coffret de famille. Ouais, c'est une série culte. C'est un quoi. Coffret. Ouais, Soprano. Mais là maintenant, bon, je vais me baisser d'un coup, hein. Vous allez voir, je vais vous monter un truc. Ah, il est parti. Oh, il revient. Le voici, le voilà. Votre avis, c'est quoi ? C'est un bidon. C'est un bidon de... Ah ouais, moi je sais ce que c'est. Alors allez-y, Christophe, dites-moi. C'est des produits chimiques de Breaking Bad. Voilà, alors donc oui, voilà, c'est les produits chimiques de Breaking Bad. Voilà, d'abord, ça coûte une blinde. Alors je m'en excuse, mais j'ai pas eu le choix. Il fallait que je vous présente un truc qui soit visuel. Ça coûte 350€. C'est l'intégrale de Breaking Bad. Alors ça s'ouvre comme ça. Oh là là, comme c'est beau. Là, vous avez déjà des disques qui sont ici. Comment ils sont beaux. Voilà, des petits disques qui sont ici. À l'intérieur, vous avez les allumettes pour allumer dans le cas où faire exploser quelque chose. Vous avez un petit... C'est super, voilà, c'est génial. Les mecs au marketing. Et attendez, mais il y a mieux. Regardez, vous allez tomber de votre chaise. Hop, on ouvre à l'intérieur. On a toutes les saisons qui sont à l'intérieur. Du baril d'explosifs, donc c'est Breaking Bad, et donc 350€, j'ai que l'éditeur qui sort ça, c'est peut-être c'est l'intégrale de la série. C'est l'intégrale. Il y a tout dans celui-ci, je crois qu'il y a un coffret qui a la 1 et la 2, là c'est l'intégrale. C'est une étape merveille, moi je suis vraiment à 55 heures de bonus en plus de tout ceci. Faut être fan hein, quand même pour se taper 55 heures de bonus. Il y a des mecs qui sont fans, mais moi je suis fan des grosses choses poilues aussi. Il faut une vie entière. Ça c'est un scoop quand même. Est-ce qu'il n'y a pas de la méthamphétamine dedans, ce qui justifierait le prix peut-être? Regardez-moi si ça s'arrache pas. Ah c'est ça les grosses choses poilues. Si ça s'arrache pas, alors là c'est carrément le délire complet, lui c'est César. Regardez ce regard qu'a César. C'est le coffret de Noël. C'est le coffret de Jérôme Colombin. C'est le coffret de Jérôme Colombin, Pépé Garcia. Donc c'est César. C'est un coffret qui contient les 8 films de la planète des singes, donc les anciens également. Donc les meilleurs, il y a celui avec Charlton Heston et les derniers. Il y a tout. Non, il y en a pas tout. On dira qu'il y en a 4 qui sont à peu près regardables et puis après il y a un petit coup d'air. Après il y a bien sûr le dernier qui est dedans, qui est l'affrontement en 2D en 3D. Il faut savoir que ça coûte a priori, parce que les prix varient entre 130 et 150€. On a la bestiole ainsi que regardez, voilà, à l'arrière, dans le petit cucu, il y a, hop, je ne sais pas qu'on va montrer ça, il y a tous les Blu-ray qui sont ici, avec des lithographies, avec le petit, ouais, le petit livret. Mais c'est surtout ce regard, on dirait c'est François terrible. Le matin, quand j'ai mal rempli mes trucs à RMC. Vis-à-vis de l'éditeur, je ne peux pas coiffer César de ça, je vais me faire finir à coup de hache. Oh non, s'il te plaît, mets-lui le bonnet. Ah ouais, allez. Vous êtes le bonnet. Vous êtes témoin du niveau quand même. Oui, allez, vas-y, non, juste. 01Net, il y a 0 dedans, c'est pas pour Oh, ça, c'est pas cool. Mais attendez, les gars. Non, mais regarde comme il est mignon. Écoutez, il n'a jamais été plus beau. Attends. Il ne peut pas être plus beau. La photo. Alors là, c'est carrément la planète des singes avec César, avec le bonnet. C'est qui l'éditeur qu'on lui envoie? C'est la Fox. Ils vont beaucoup m'aimer tout à l'heure. Ils vont dire, Pépé, it is not possible. Je crois que là, l'expression on touche le fond prend tout son sens. C'est pas moi qui ai commencé. Non, c'est vrai. J'ai été. Mais c'est presque toi qui as terminé, cela dit. Donc... Merci, monsieur Delavanne. Il est quand même plus cool. C'est quand même des beaux coffrets. Ça coûte une blinde. Ouais, mais vous offrez ça à Noël. Moi, je serais super content qu'on me l'offre. Puis c'est sympa. Après, vous mettez ça sur le cheminée. Ça prend la poussière. C'est cool. Ah, pardon. OK. On a fini donc avec Pépé. Merci beaucoup. Ah, maintenant, alors voilà. Vous savez quoi? Il n'y a pas longtemps, avec Jérôme, on a fait un petit reportage sur les jeux vidéo connectés. Et d'un coup, on s'est regardé avec Jérôme, comme on se regarde de temps en temps, vous savez, avec les yeux de l'amour, et on s'est dit, on a trouvé des trucs pour notre Noël à nous. Ouais. Voilà. Regardez, elle me ressemble un peu, hein, vous avez remarqué? Elle te va très bien. C'est Kayla. Alors Kayla, qu'est-ce que c'est? C'est une poupée qui est connectée, les amis. Bah, on ne pouvait pas ne pas parler de jouets quand même. Voilà, c'est ça.
pour un spécial Noël. Donc, Kayla, elle a derrière son petit jogging un petit bouton on-off. Et quand vous l'allumez, après, vous téléchargez une petite application sur votre smartphone qui vous permet de discuter avec elle. C'est un peu comme si vous aviez Siri en moins bien, hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Tu peux le faire ? Tu vas y arriver ? Bon, bah d'accord, je vais le faire. Ouais, t'es sûr qu'il allait me sortir un truc comme ça. Oui, donc je prends mon smartphone. Et puis là, je vais lancer l'application. Pendant ce temps, j'ai les deux fauves qui s'énervent, là, j'adore. Et regarde comment ils, voilà. Comment ils sont excités. Donc là, regardez. La ferme en folie, non, je connais pas la ferme en folie, ma chérie. Ça, voilà, au bout d'un moment, elle répond, normalement. Bah si, tu m'as dit que c'était le tien aussi. Je suis d'accord qu'elle est assez super, la ferme en folie. Enfin voilà, ça peut durer des heures. Je trouve ça, hein, totalement flippant, moi. Ah, mais c'est flippant, ça, hein, c'est Kayla. Alors, vous avez des petites applis, elle peut vous raconter des histoires, des choses comme ça. Mais... C'est un coffret d'un film d'horreur, ça, non? Voilà, c'est ça. C'est Siri avec des cheveux. C'est Annabelle, non? Comment s'appelle ce film? C'est Annabelle qui fait flipper, là. Ben voilà. Voilà. Bon, non, c'est Siri avec des cheveux. 70 euros, Kayla. Non, mais ce sont des essais de jouets connectés. On voit qu'on est au tout début. C'est ça qu'on peut remarquer quand au niveau de la poupée connectée. Bon, et moi, mes bestiaux, là, ils vous plaisent pas? Ah, ils sont magnifiques. Hein, alors, lui, vous le connaissez. C'est un classique de chez Classique. C'est Furby. Mais il revient dans une nouvelle version avec surtout un look un peu différent. Furby qui coûte à peu près une soixantaine d'euros. Et puis lui, bah, c'est un peu le descendant de Furby. Il est nouveau. Il est de cette année. C'est Xeno. Reconnaissable à sa délicate petite crotte de nez verte ici, et il se passe des choses. Oui. Donc quand on lui tire la crotte de nez, oui, hein, c'est la première crotte de nez connectée, les amis. Exactement. Hein, c'est pas mal. Non, il est assez sympa. Donc il a un toucher. Il est pas mal en bleu aussi, je trouve. Plutôt sympa. Voilà. Et c'est le même concept. Et pareil, lui il se connecte à une appli mobile donc on peut dialoguer, faire des choses un petit peu comme Kayla. Bon, ben voilà pour les jouets connectés. C'est quelques-uns hein, des objets connectés. Il existe pas mal de choses, notamment des tablettes pour enfants qui coûtent pas très cher et qui leur permettent de débuter sur des tablettes tactiles. Ça s'arrête jamais. En plus, c'est un cauchemar. Non, ça s'arrête. C'est une horreur. Alors vous qui êtes parents qui nous regardez, vous offrez ça à vos enfants, mais vous êtes morts en fait. Voilà, vous arrachez les piles et vous les jetez par la fenêtre. Bon, Jérôme, on a fait le tour là. Bah, écoute, il me semble qu'on a fait le tour. Voilà. Peut-être un dernier petit tour du côté de la question 01net Orange que je vais recharger pour avoir le résultat. Quelle est la tendance? Quel est le cadeau high-tech que vous pensez vous offrir, vous, de votre côté? Eh bien, si j'y arrive, je vous donne la réponse tout de suite. Voilà. 31% pour les smartphones. Bah, c'est toujours les smartphones. Voilà, toujours. Et puis après un ordinateur, tiens, en deuxième position, comme quoi il y a pas mal de geeks qui nous regardent. 3 tablettes, après nous avons drones, consoles de jeux, etc., etc. N'hésitez pas à jeter un œil sur ce sondage, ou bien à y participer sur 01net.com. On va faire une petite photo de famille pour se dire au revoir. Oui, hein, allez, donc voilà. Voilà, tous les journalistes de 01net qui ont participé. Allez, à ce Stéphanie, Zéro David, Live Hebdo, venez donc Bruno nous rejoindre. Cormier. On a Delphine Sabatier qui est au fond là-bas, mais qui ne nous a pas fait de chronique Zunactu, puisque c'était un Zéro Live Hebdo un peu particulier. Bon, Delphine. Alors et Florian et Jean-David qui sont derrière, est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre ou le problème, c'est le pilotage automatique ou pas? Il y a pilotage automatique ou pas? Bon, Delphine, juste un mot, toi. Et ton... Et Delphine, toi, ton cadeau pour Noël, c'est quoi alors? Ton cadeau high-tech, t'as une petite idée? 25 euros, cardboard, réalité virtuelle. Ah, c'est moins que ça. Ah oui, ben oui, le petit masque, en effet. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis pendant cette heure entière, donc avec quelques idées de cadeaux. On espère qu'on vous a inspiré. Et puis, on se retrouvera alors. C'est affreux. Ah non, mais c'est horrible. C'est horrible. On se retrouve la semaine prochaine, Jérôme, pour un Zéro Live Hebdo. On sera là encore la semaine prochaine. Après, on s'accordera quelques jours de congé. Et puis, notez que début janvier, direction Las Vegas, baby, pour le CES, le Consumer Electronic Show, qu'on vous fera vivre en direct et en intégralité depuis là-bas. Merci à tous de nous avoir suivis donc à l'occasion de cette émission qui était vraiment pas comme les autres. Et en plus, on est dans les temps. C'est formidable. Le meilleur de ce Zéro Live Hebdo, demain matin, 7h sur 01nettv.com. Voilà. Merci à JD. Merci aussi à Florian, à Léa de nous avoir aidés à réaliser ce rendez-vous. Salut à tous et à demain. Salut à tous. Salut. Gueule.